Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Voici les titres du journal. Ramadan 2019, c'est parti pour 30 jours de jeûne et d'invocation. Un mois entier pour renforcer la foi et changer certaines habitudes. Mais aussi 30 jours de prière pour la cohésion sociale. Face à la presse, le ministre de la fonction publique présente les acquis de son département sous la Troisième République. Assainissement du fichier administratif, création d'institutions de protection sociale. Le reste à suivre dans cette édition. À Caen, les élections législatives, la CENI boucle sa retraite de Kindia sur fond de recommandations. De nouvelles concertations sont prévues avant l'élaboration d'un chronogramme électoral. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le président sierra-leonais est à Conakry pour une visite officielle de travail. Il a été accueilli par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Les deux hommes d'État ont échangé quelques mots allant dans le sens du renforcement de l'axe Conakry-Freetown. Mahmoud Barry. C'est sa première visite d'État et de travail en Guinée depuis son élection l'année dernière. Le président Julius Maada Bio a été accueilli à sa descente d'avion par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. À l'aéroport international Conakry-Bessia, la présence d'un détachement des forces armées guinéennes, des officiers supérieurs, des membres du gouvernement, le cabinet présidentiel et les diplomates accrédités en République de Guinée. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé et Julius Maada Bio vont parler de coopération bilatérale, d'échanges commerciaux, de lutte contre le banditisme transfrontalier et la nécessité de renforcer et dynamiser l'axe Conakry-Freetown. La Guinée et la Sierra Leone partagent plusieurs kilomètres de frontières terrestres et maritimes, d'où l'intérêt de renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens dans le respect des principes des institutions d'intégration sous-régionale. Les populations guinéennes et sierra-leonaises entretiennent d'excellents rapports socioculturels. Après cet accueil chaleureux, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, et son hôte de marque, Julius Maada Bio, ont eu un premier tête-à-tête. Dans la soirée de ce lundi, un banquet d'État à l'honneur du président léonais et sa suite aura lieu. Avant de poursuivre cette édition d'information, ces deux messages à départ. Le premier est adressé à son Excellence Monsieur Mamadou Issoufou, président de la République du Niger. Excellence, Monsieur le Président et chers frères, c'est avec une vive émotion et une profonde consternation que nous avons appris la triste nouvelle de l'explosion d'un camion-citerne survenu dans votre pays, ayant causé d'importants dégâts matériels et de pertes en vies humaines. En ce douloureux moment, voudrais-je adresser au peuple nigérien, son gouvernement ainsi que les familles attristées, les vives et sincères condoléances du peuple de Guinée, son gouvernement auquel je joins les miennes propres. Qu'Allah le Tout-Puissant puisse accorder sa grâce aux défunts et les accueillir dans son paradis éternel. Amen. En vous priant d'accepter mes sentiments de compassion, veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Conakry, 6 mai 2019, à son Excellence, professeur Alpha Condé, Président de la République, chef de l'État. Le second message départ adressé à son Excellence, Monsieur Vladimir Poutine, Président de la Fédération de Russie. Excellence, Monsieur le Président et chers amis, c'est avec une vive émotion et un profond regret que le peuple de Guinée, son gouvernement et moi-même avons appris la triste nouvelle du crash d'avion survenu à l'aéroport de Moscou et ayant causé plusieurs blessés et des pertes en vies humaines. En cette douloureuse circonstance, je voudrais adresser nos vives et sincères condoléances au peuple ami russe, singulièrement aux familles durement éplorées. Puisse Allah, le très miséricordieux, accorder sa grâce aux défunts et les accueillir dans son paradis éternel. En vous priant d'accepter mes sentiments de compassion, veuillez agréer, Excellence Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Conakry, 6 mai 2019, son Excellence Professeur Alpha Condé, Président de la République,
chef de l'État. L'actualité, c'est le début ce lundi du mois saint de Ramadan, 30 jours de jeûne et de pénitence. Outre cet aspect religieux, Ramadan, c'est aussi un moment où il faut changer quelques habitudes et comportements. Nous voyons tout cela avec Moussa Komara. En ces premiers jours du mois saint de Ramadan, Conakry connaît moins de varkam. C'est lundi de jeûne, les cafés, boutiques, bars et des gargotes sont silencieux. Ici au quartier Nongo, les grands parieurs sont rares dans les cabines de loterie. Avant les bouchons de l'après-midi, les marchés sont les points de la ville les plus animés, mais une animation moins brillante. À l'intérieur, les prix ont légèrement bougé. Il n'est pas rare de rencontrer les hommes dans les travées en appui aux femmes. Je suis venu pour aider la femme. Parce que le marché est très cher. Tu lui donnes 10 000, il va aller au marché, il va trouver que c'est 15 000. Tu lui donnes 50 000, il vient au marché, il va trouver que c'est 60 000, 80 000. J'ai en train de demander le poisson, voilà le poisson, ils ont demandé 70 000. Si tu donnes 50 000 à ta femme, est-ce que lui peut faire quelque chose au marché? Dans les rues, les modes vestimentaires ont également changé. Les pantalons et les mini-zips portés par les femmes sont introuvables dans la circulation. Robes, burkas et autres habits amples sont plus visibles. Rosemary Silla est une étudiante. Son mode vestimentaire a subitement changé. C'est pas comme ça, j'ai l'habitude de m'habiller. Mais comme c'est en ce mois 5, donc je me purifie et je rends gloire à Dieu. Avec le Ramadan, tout ou presque change. Les lieux de culte battent des records d'affluence. Jamais la mosquée Bilal de Nongo n'a accueilli autant de fidèles musulmans pour la prière des 14 heures. Jeunes, adultes et vieux se bousculent pour prendre place à la mosquée. Ah, moi ça dit la roulumbe, parce que moi dans mon arrière. Donc comme Alhamdoulilah Rabbil Alamin. Salam. Parce que je peux du temps. Mais Dieu merci. Na depuis quand elle est maintenant nga fa. Suis pour le mbawoy. Auprès de ma famille. Ala ka sel fala fu mabeto. Ya bana am fa beki. Est arrivé ici aujourd'hui ne serait venu si ce n'était le Ramadan. Chaque fois, la mosquée n'est remplie qu'à moitié. Que ce soit la prière de 14h ou 17h, ce n'est qu'à 19h ou 20h que nous faisons le plein ou au petit matin. Pour les croyants, les promesses sont fortes et les espoirs de la grâce divine sont immenses pendant ce mois saint du Ramadan. Pour ce départ, tout le monde fait de son mieux afin de bénéficier de l'attention clémente et salvatrice d'Allah, le Très-Haut. Pendant un mois, les fidèles musulmans vont renforcer les prières en faveur de la paix et de la solidarité. Des actions de bienfaisance sont prévues pendant ces 30 jours pour assister les plus démunis. C'est aussi cela le sens du mois. Karna Ousmane Diallo. Dans le calendrier lunaire, c'est le mois le plus important. Période d'intense spiritualité, le Ramadan est une occasion pour le fidèle de voir absoudre ses péchés, fortifier sa foi et se rapprocher de son Créateur par des actes d'adoration et de bienfaisance. Tout au long du mois, les fidèles vont s'abstenir de manger et de boire durant la journée. Mois exceptionnel, c'est durant le Ramadan que le Coran a été révélé au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le fait de ne pas manger beaucoup est utile pour la santé. Notre prophète Mohammed, il disait quoi ? Que 9 bouchées suffisent à la personne pour qu'il tienne son corps. Donc quand la personne y jeûne, ça purifie son corps et ça permet d'être en meilleure santé. Vous savez que les savants ils disent que le ventre est le réceptacle des maladies. Donc si on mange beaucoup, on ne fait pas attention à ce qu'on mange, on tombe malade. Mais si on jeûne, on ne peut être qu'en bonne santé. L'un des mérites du mois de Ramadan, c'est le fait pour le fidèle de mesurer la pénible existence que mènent les plus pauvres qui n'ont pas les moyens de manger à leur faim. Le Ramadan se présente ainsi comme une école qui nous apprend la compassion et l'amour du prochain. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le mois, son début, est une miséricorde. Que son milieu est pardon. Et que sa fin, c'est l'affranchissement du feu de l'enfer. Aussi, c'est un mois durant lequel une nuit dans ce mois, il équivaut à 1000 mois dans les autres mois. Et aussi que les actes d'adoration faits durant ce mois sont multipliés jusqu'à 700. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit que la personne qui fait un acte de bien ce jour-là, lui aura beaucoup de récompenses en ce mois béni. Tout au long du mois saint, les musulmans en état de jeûner sont appelés à accomplir cette obligation religieuse et à lire abondamment le Coran.
Dans la pénitence, ils doivent exprimer leur solidarité vis-à-vis des démunis et cultiver le pardon mutuel. Dans l'actualité encore, le Premier ministre reçoit les membres du COCAN, comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Il était question de faire le point sur le niveau des préparatifs. Le chef du gouvernement a également reçu en audience le représentant résident du PNUD et une mission du FMI. Compte rendu, Ousmane Bangora. Ce sont les nouveaux membres du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, COCAN 2025. Ici, les membres sont venus échanger avec le Premier ministre sur un certain nombre de sujets. Il s'agit de discuter autour des questions relatives à l'organisation de ce rendez-vous continental en Guinée. Nous avons reçu des conseils. Comment le comité doit fonctionner, les priorités, et voilà, c'est sur ça qu'on a eu à échanger aujourd'hui. Parce qu'il nous faut recevoir des conseils, je ne dirais pas des directives, parce que comme il l'a dit tout à l'heure, nous sommes vraiment indépendants, c'est à nous d'apporter les idées au gouvernement. Donc cette première rencontre, c'est pour dire aux Guinéens que les choses sérieuses ont commencé. Juste après la délégation du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations COCAN 2025, le Premier ministre Dr Ibrahima Kassouri Fofana a reçu le représentant résident du PNUD en Guinée. J'ai passé 4 ans en Guinée, 4 ans bien remplis dans votre pays magnifique. C'est un mélange de joie et de tristesse, de joie pour tous les chantiers que nous avons mis en œuvre main dans la main avec la Guinée, le gouvernement guinéen bien sûr, la société civile et les bénéficiaires, et un sentiment de tristesse parce que c'est un pays qui est attachant et que j'ai fini par aimer. Et je reviendrai sûrement dans ce pays à un moment ou à un autre. Cette autre audience est celle accordée au Fonds monétaire international en séjour de travail en Guinée. La mission s'inscrit dans le contexte de la troisième revue du programme FEC pour le soutien de la Guinée. Aujourd'hui, on a eu l'occasion, le plaisir et l'honneur de rencontrer M. le Premier ministre qui nous a donné la possibilité de discuter la performance économique de la Guinée et donc une croissance qui reste robuste et qui permettra d'améliorer les conditions de vie le moment que ça devienne encore plus partagé. Donc l'objectif est véritablement de rendre la croissance en Guinée partagée par la plupart de la population. Aussi, on discute et on a discuté des orientations de politique économique, donc l'importance d'une politique budgétaire qui vise à garder la stabilité macroéconomique, mais au même moment d'augmenter les investissements afin de favoriser la diversification et la croissance. Et aussi l'importance de réduire les subventions électriques qui sont dans le système afin d'augmenter les dépenses sociales qui sont véritablement ciblées à la partie plus vulnérable de la population. Cette feuille d'audience du Premier ministre Dr Ibrahima Kassouri Fofana témoigne de l'amitié que les partenaires accordent à la Guinée. Le grand oral ce matin du ministre de la Fonction publique, le département présente ses acquis, l'assainissement du fichier de gestion administrative, la création de 2 institutions de protection sociale pour ne citer que ça, une occasion pour le ministre d'annoncer quelques projets. Baba Kouyaté. Il est le 13e ministre du gouvernement Kassori à se prêter à cet exercice. Billy Nankuma Doumbouya fait un état des lieux des réformes engagées à la fonction publique. Dans son grand oral, le recrutement de 42 700 agents, notamment dans les secteurs de la santé et de l'éducation, est mis en exergue. 40 000 agents en 8 ans. Ça parle. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que la moitié de la fonction publique est rajeunie, mais le processus est en cours. Le processus est en cours dans la mesure où les 40 000 qui sont recrutés, leur âge varie jusqu'à 40 ans. En plus de ce programme de recrutement, les efforts déployés par le gouvernement pour améliorer les conditions de vie et de travail des fonctionnaires sont présentés. En 8 ans, les salaires des agents de l'État ont triplé. Un fonctionnaire de la RHIA, engagé au grade 1, échelon 1, avec un indice de 1100, percevait en 2010, retenez bien, comme salaire de base, un montant de 569 800 francs guinéens. Le même fonctionnaire, classé dans la même catégorie,
bénéficie aujourd'hui d'un indice 1540 dans la nouvelle grille élaborée en 2005 et bénéficie en 2017 d'un salaire de 1 586 200 francs guinéens, soit son salaire de 2010 multiplié par 3. Ce même fonctionnaire, détenteur d'un master et classé dans la nouvelle grille à A2, grade 6 échelon 12, avec un indice de 3906, bénéficie d'un salaire de 4 023 180 francs guinéens. Pour le contrôle de présence des fonctionnaires à leur poste de travail, le ministère de la fonction publique s'est doté de 270 machines pointeuses électroniques, un acquis pour consolider l'assainissement du fichier général de la fonction publique. Les deux opérations de recensement déclenchées ont permis de déceler plus de 11 000 fonctionnaires fictifs dans le fichier. Pour la première fois depuis l'indépendance, la Guinée s'est dotée de deux institutions pour assurer la couverture sociale de l'ensemble du personnel de la fonction publique. Il s'agit de la Caisse nationale de prévoyance sociale et de l'Institut national d'assurance maladie obligatoire. Dans les perspectives, la fonction publique entend poursuivre la promotion des 1200 agents formés dans le cadre du projet « Rajeunir et féminiser l'administration ». En attendant le financement pour la construction de l'École nationale d'administration de Guinée, 32 cadres poursuivent la formation en master délocalisé de l'ENAP du Québec à Conakry. Une petite révolution au ministère des Transports. Les documents de voyage ne se feront plus à la main. Le département passe à la numérisation. L'idée, c'est de limiter les cas de falsification des permis et autres documents. Faut des camarades. Après Conakry, à Kindia, la capitale des agrumes, le projet de construction de la nouvelle direction régionale des transports terrestres vient d'être lancé. Exécuté à hauteur de 700 millions de francs guinéens par une entreprise allemande pour un délai contractuel de 90 jours, ce projet est le fruit d'un partenariat public-privé. La particularité, c'est que ça va être un centre flambant neuf. Ça va être un bâtiment sur 302 mètres carrés et il abritera 6 bureaux, 5 toilettes et un puits amélioré pour gérer le problème d'addiction d'eau. Donc ça sera un bâtiment moderne qui sera là dans 3 mois et nous allons l'équiper avec un matériel informatique de toute dernière génération pour permettre, si vous voulez, à la numérisation des titres de transport en République de Guinée. Ce vaste programme de construction de 8 bureaux régionaux des transports terrestres vise à moderniser le secteur pour sécuriser les cartes grises, les plaques d'immatriculation et les autorisations de transport public, de marchandises et de personnes. Nous sommes en pleine réforme du secteur des transports qui a besoin de faire une mue complète. Vous voyez la situation des transports aujourd'hui en Guinée, caractérisée par des bouchons interminables, caractérisée par des accidents à répétition, avec souvent des pertes en vies humaines. Donc il était important que ce secteur, qui connaît aussi une immense fraude liée à la falsification des titres de transport, comme les cartes grises et les permis de conduire, il était important que ce secteur connaisse vraiment un changement en profondeur. Et c'est dans cet exercice que nous sommes engagés depuis que nous sommes arrivés à la tête de ce département. Cet élan de modernisation devrait aider les usagers à sortir des risques de falsification dus au traitement manuel des documents de transport terrestre. À Caen, les élections législatives, la CENI sort d'un conclave à Kindia. L'institution a examiné plusieurs paramètres sans arriver à trouver un chronogramme pour le moment. De nouvelles concertations sont prévues, notamment au sujet des équipements. Saïdou Diallo. La CENI a bouclé hier sa retraite dans la préfecture de Kindia. Pour l'instant, aucune date n'a été fixée pour l'organisation des prochaines législatives. L'institution accuse la non-levée de certaines contraintes comme la mise à disposition des fonds, la fourniture du matériel lourd qui, selon les tests, relève désormais de l'État. Nous allons faire un package que nous allons adresser au gouvernement pour que celui-ci nous mette à notre disposition l'ensemble de ces équipements et finances pour que nous puissions commencer effectivement. Dès lors que ces contraintes-là sont levées, je ne vois pas pourquoi nous n'irons pas
tout de suite aux élections. En attendant la solution à ce blocus, la rencontre de Kindia a permis à la CENI, grâce à l'appui des partis politiques, de la société civile et des partenaires techniques, à identifier toutes les opérations à exécuter pour l'organisation des élections libres et transparentes. Je pense que si le comité interparti se tient régulièrement dans le langage, c'est-à-dire selon la périodicité qu'il faut, et selon l'obligation de franchise qui est attachée, je ne vois pas de problème, parce qu'on en sera tous là pour apprécier pourquoi telle opération n'est pas accomplie, la responsabilité est de qui. Face à ces défis et exigences, des rencontres avec le gouvernement ont été envisagées pour les prochains jours. Ceci pour faciliter la matérialisation du plan opérationnel élaboré. Un programme dont le timing de l'ensemble des activités prendra seulement 7 mois s'il n'y a aucun frein à l'exécution du processus. La lutte contre la pauvreté, une rencontre continentale vient de se tenir à Conakry. Plusieurs pays africains ont pris part aux travaux. L'idée, c'est de faire un partage d'expériences afin de parvenir à une inclusion financière. Mohamed Sehar Souma. L'inclusion financière est en plein essor sur le continent. Elle offre la possibilité aux consommateurs à faible revenu d'accéder aux services financiers et bancaires. En Guinée, la Banque centrale enregistre des avancées en matière de réglementation. La loi sur les institutions financières inclusives a été votée. Elle a été vulgarisée avec la participation des banques et de tous les autres protagonistes de la question. Il y a aussi beaucoup d'efforts en cours après la modernisation du système de paiement de créer un centre monétique national qui puisse assurer l'interbancarité des cartes et des autres instruments digitaux qui ne manqueront pas de suivre. Ce cocktail de mesures s'applique aux monnaies électroniques et aux MUFA pour le cas pratique de la Guinée. L'objectif de tout cela, c'est vraiment voir comment cette synergie pourrait vraiment permettre de créer la richesse au niveau local. Et qui parle de création de la richesse, parle de financement. Pendant ce temps, les assises de Conakry mettent l'accent sur le numérique, alors que le réseau téléphonique ne couvre que les 87% du territoire national. 2020, le gouvernement souhaite atteindre la couverture totale du pays avant de rendre le tablier à la tête de l'AFPI, Initiative africaine pour les politiques d'inclusion financière. La couverture dont il s'agit pas d'une couverture géographique linéaire. Il s'agit de couvrir les localités où vivent les personnes. Parce que les réseaux sont faits pour les personnes, pour les citoyens, et nous ciblons les quartiers, les districts et les grands villages. Autre nouvelle et non des moindres, c'est celle de la création de l'Agence nationale de l'inclusion économique et sociale. Une structure relevant de la primature. La Guinée encourage sa diaspora à créer des entreprises au pays. La PIP donne même des garanties et des facilités aux Guinéens de l'étranger. Une première rencontre s'est tenue récemment en Belgique sous l'initiative de l'ambassade de Guinée auprès du Benelux. Mangafo de Touré a suivi la rencontre. Ils étaient nombreux à prendre part à cette assemblée générale convoquée par l'ambassade de Guinée auprès des pays du Benelux et de l'Union européenne. Une rencontre au cours de laquelle la diaspora guinéenne de Belgique a eu toutes les informations sur le processus de création d'entreprises individuelles en Guinée. Aujourd'hui, vous savez qu'on a une plateforme au sein de la BIP qui s'appelle Synergie, c'est le système national d'enregistrement des entreprises. On a voulu mettre en place ce processus aujourd'hui pour faciliter vraiment la diaspora guinéenne qui vit ici à Bruxelles pour qu'elle puisse créer leur entreprise directement à travers nos représentations diplomatiques. Désormais, ils n'ont plus besoin d'aller jusqu'à Conakry pour créer une entreprise individuelle au pays. Une démarche encourageante pour le développement du pays. Les compatriotes sont allés en Guinée en courant de 2 ans. Ils n'ont pas pu résoudre ce problème-là parce que tout simplement, ils n'ont pas d'interlocuteurs fiables et parce que partout où ils passaient, ils se faisaient soutirer de l'argent et le résultat était néant. Parce qu'ils sont revenus avec ce projet, avec l'idée, avec la motivation de créer l'entreprise. Malheureusement, ils n'ont pas pu atteindre l'objectif. Nous avons lancé l'appel à la diaspora guinéenne de créer des entreprises, des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries, pour retourner en Guinée, aider le gouvernement à la création d'emplois pour les jeunes, pour que les jeunes n'aient plus se noyer dans la mer. Donc, le but de cette assemblée générale est aujourd'hui de
permettre à l'Afrique de nous donner tous les renseignements possibles pour que la diaspora puisse créer à partir de Bruxelles des entreprises agiles. Pour accompagner la diaspora guinéenne de Belgique dans ce processus innovant, des cadres de l'ambassade sont formés. La Belgique constitue la première phase de ce projet pilote qui doit s'étendre aux Pays-Bas et au Luxembourg. D'autres informations sous forme de télégramme, Guinée en bref, ce soir c'est avec Lance Kamisoko. Suivez. Le nouvel ambassadeur de la Guinée à Cuba se nomme le général de corps d'armée Aboubacar Sidiki Camara. Il vient de présenter ses lettres de créance au président Miguel Diaz-Canel et au Conseil des ministres de la République de Cuba. Les lettres qui l'accréditent dans ce pays ainsi que celles de rappel de son prédécesseur. Une occasion mise à profit par le président cubain pour réaffirmer sa détermination à renforcer les relations d'amitié entre Conakry et la Havane. Après le bon déroulement de la troisième édition du forum de l'étudiant guinéen, l'organisation décide d'honorer les trois ministres en charge du secteur éducatif. Quant au ministre de l'enseignement supérieur, il reçoit au-delà de sa distinction le prix du meilleur ministre de son département. Le forum a permis aujourd'hui aux élèves de s'informer, de se former à travers différentes conférences, débats, panels, concours d'éloquence, concours de mathématiques, et qui suit aussi les formations dans les masterclass, mais je sais parler surtout dans les ateliers pratiques. Les populations du quartier Dumbuya École dans la commune urbaine de Koya se frottent les mains. Grâce à un fils de la localité, ce quartier vient de bénéficier d'un mini-complexe commercial. Le nouveau marché porte le nom du chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Entièrement équipée, cette infrastructure commerciale comprend 54 boutiques et magasins, une centaine de tables pour étalagistes, un bloc de latrines de 8 cabinets et un forage pour un investissement de plus de milliards de francs guinéens. Grande cérémonie de lecture du Saint-Coran ce dimanche au siège du RPG Arc-en-Ciel. Elle a été organisée par les 152 femmes membres de la coopérative Badegna pour implorer la grâce d'Allah pour qu'il répande sa miséricorde sur notre pays et qu'il nous accorde la paix du cœur, le développement économique et le bonheur de tous les Guinéens. Le championnat d'Afrique de judo s'est déroulé du 2 au 5 mai à Dakar. Les catégories cadettes et juniors étaient en compétition dans cette discipline de combat. La Guinée a été représentée par 4 judokas avec à la clé une médaille de bronze arrachée par Monique Guilabogui dans la catégorie junior de 78 kg. Ces athlètes guinéens auraient gagné le pays cet après-midi. Reportage rendu en studio par Mamadou Paté Baldé. Médias publics et ses retrouvailles au stade de Nongo, une sorte de jeu d'invisibilité à l'ancienne avec des échanges de cadeaux. Les travailleurs du ministère de la Communication avaient leur manière particulière de célébrer la journée internationale du travail. Fatoumata Batouli Diallo, Hassan Ilan Silla. Initiée par le club des travailleurs et amis des médias publics, cette retrouvaille festive célèbre l'amitié et la collaboration entre les services de médias publics. Le personnel du quotidien national Orea, de l'agence guinéenne de presse, de la radio rurale et de la radio-télévision guinéenne se mettent ensemble pour plus de confraternité. Micros, plumes et papiers sont rangés au profit du cuiron. Techniciens et rédacteurs se défient sur une pelouse verte dans la gaieté et l'harmonie. En dépit de nos positions respectives, nos services et tâches, nous sommes comme une équipe de football. Nous courons au quotidien pour le même but, la même passion, le même amour, la Guinée, d'où notre slogan « J'aime mon travail, j'aime mon pays ». Au nom de l'amour du travail au service du pays, vétérans et jeunes journalistes se sont livrés également au jeu anonyme d'échange de cadeaux. L'exercice peu ordinaire a laissé place à une explosion de joie indescriptible. Le renforcement de la bonne collaboration entre les services est l'effet recherché. Pour trouver des opportunités comme ça, en une journée historique comme celle de la liberté de la presse, je pense que l'initiative est louable. C'est ce qui fait qu'en tant que premier responsable de la RTG,
je nourris un sentiment de joie et un sentiment de satisfaction. Nous travaillons très souvent dans des conditions très complexes, très difficiles parfois, sous pression même, il faut le dire. Donc c'est important que souvent on se retrouve pour déstresser un peu. Hein, c'est ce qu'elle a essayé de faire. Et aujourd'hui, je pense que tous ceux qui ont fait le déplacement échangent entre eux, on s'amuse, on rigole. Et ça nous permet en fait d'être plus performants pour les prochains jours et les prochains mois. Ce rendez-vous a déclenché un nouvel esprit de travail au niveau des agents du ministère de l'Information et de la Communication. Un personnel soumis au stress au quotidien. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir et à demain pour un autre journal, Inch'Allah.